Bonjour, aujourd'hui vidéo particulière car j'ai vu sur Steam que le jeu que vous voyez là était gratuit. Du coup, ça sera petite vidéo, comment on appelle ça, merde j'ai oublié le mot. Petite vidéo recherche le nom de la vidéo. Découverte, oui voilà, donc commençons directement. Alors, nom de la famille, ben, ça sera la famille Exenter. Famille sur Exenter, oui. Ça m'a déjà utilisé. Putain de fils de pute. Nom de famille. Bon ben, ce sera le nom du personnage, nom de famille. Bon, ce sera très variant, alors il prononce sur Exenter. Si vous me dites que c'est déjà utilisé, je vous... Ok. Alors... saison, c'est quoi ça, saison? Alors attends. Quels sont les serveurs saisonniers? Les serveurs saisonniers sont des serveurs spéciaux qui octroient des avantages particuliers. À partir du niveau 50, un bonus, un serveur d'XP. Bon, la musique, calme-toi. Trouverez des minerais, blablabla. Serveur réservé aux nouveaux aventuriers et à ceux de retour. PVP, c'est quoi? Un joueur avec une karma négatif. Ah genre le je peux changer de serveur quand je veux. Ok, ça c'est des mondes normaux. Dans un monde unique. Vous pouvez sélectionner le serveur de votre choix et changer à tout moment. Ok, donc on s'en bat les couilles. On va commencer par un truc tranquille. À partir du niveau 50, vous pouvez maintenant. Serveur principal. Serveur aléatoire. Ouais, serveur aléatoire. Vas-y. Quoi ça, essai? Ok, donc on peut choisir les... Ok, donc il y aura... Okay. Ah, c'est pas tu choisis ton sexe et tu choisis ton... Non, c'est genre l'homme, c'est le guerrier. Là, c'est la femme obligatoirement. Ok, on part sur des... Tu sais que là, ton membre ne serait pas protégé, hein. Ah, je vois le délire. Ok. Ok. Enfin, même Dofus, hein, tu peux choisir mâle femelle. Bon, bref. On va prendre un guerrier, hein. De toute façon, je vois rien de vraiment. C'est moi où la parité homme-femme n'est pas vraiment respectée. Ou alors elle est respectée, mais les mecs sont vraiment des tranches de femmes. Vas-y, y'a quoi qui a une difficulté en basse? Ok, bon, niveau choix des personnages, on va dire que on va voir ce que ça donne, on sait jamais. Ok, je m'en fous. Ah, un perso saisonnier? Non, je veux pas un perso saisonnier, je veux un perso pour de bon. Attends. Non, attends. Oh, c'est compliqué. Il n'y a pas moyen de créer un personnage réel? Genre pas saisonnier, genre un personnage que je veux vraiment jouer.
Ah ok, d'accord, faut juste cliquer là-dessus. D'accord. Voyons voir un peu la personnalisation. Alors... Oui. Ok. Dire que ce soit off. Allez, on va faire un beau blond. Non, mais je suis brun. On va faire un beau brun. C'est quoi ça? La forme, c'est quoi? Ah, et tu crois que je peux essayer de me faire un. Non, je pense que ça va faire un truc dégueulasse. On va tenter, hein. Waouh, trop de personnalisation. Waouh! Ah, c'est immonde! Bon, bref. On va reprendre des cheveux de type. Je me la pète. Ah, ils ont aucune pilosité, les mecs, hein. Apparemment, aucun choix de pilosité. Entre. Waouh, les cheveux. Les cheveux, là, il y a du choix. Non, pas de boucle. On va enlever la petite mèche là, voilà. Couleur, moi je suis brun. C'est un peu sombre ça. Hein. Pas un brun un peu moins sombre. Ouais, voilà, un peu grisonnant. Ah, ok, donc la base, les pointes, la racine. L'éclat, alors je peux. Wow. Alors, y a du détail pour les cheveux, hein. Y a du détail. On peut dire que j'ai juste très jolis cheveux. Alors attends, le visage maintenant. Ouais, si, il doit y avoir des barbes. Attends. Type de visage. Un peu vénère là. On va partir sur du basique. Hein. La peau. Oula. Elle était bien la première peau en fait. Oh putain, je peux être huilé. Non, voilà, on va dire bien pilotée faciale. Une barbe. En vrai, il y a du détail, il y a du détail, il y a du détail pour la curiosité. Ah, je suis assez satisfait de la pilosité. Passer plus de temps sur la barbe quand même que sur le reste. On dirait un islamiste avec ça, non? Ah voilà, là il est beau gosse. Ou la flemme de faire un truc là. Maquillage, non, les yeux. On peut avoir des étoiles dans les yeux. Faut avoir des yeux kawaii aussi. Non, je rigole, je veux un œil normal.
Ah, je peux avoir un œil normal. Waouh! Lentille, on va peut-être baisser la densité de la lentille. Oh, c'est. Ils sont bizarres mes yeux, hein, je vous l'avouerai. Attends. Ouais. C'est rigolo. Peux lui faire un sourire de beau gosse? Magnifique. Non mais les yeux, y a un souci avec les yeux, putain. On va lui mettre les yeux bleus, tu sais quoi? Ah, un bon bleu profond ou marron. Pas un marron foncé. Oula. Reste à 51. Ah ok, ben voilà. Oula. Waouh, paye tes yeux bleus. Oh vas-y, des yeux bleus de beau gosse. On peut pas faire un reset pour les yeux en fait. Relever les yeux. Oh, relever les cheveux. On peut faire ça? C'est ridicule. Mais c'est génial, je veux dire. Rien que pour la personnaliser. C'est la personnalisation de personnage qui est génial. Ah, on lui fait bleu les yeux. Voilà, là c'est des beaux yeux bleus. Ride. Non. Pas faire des cicatrices? Non? Bon. Tant pis, hein. Oh, il est trop bronzé, je pense. Oh, il est trop clair. Ah ben voilà, là c'est le chevalier lent. Là c'est le chevalier zombie par contre. Ben voilà. Voilà notre beau gosse. Ah, on peut pas modifier le pénis comme un cyber. Ah si. Ah, je croyais qu'on pouvait modifier le pénis. Bon, muscle. On va rester sur quelque chose d'humain, tu vois, genre dessiner, mais pas non plus les veines qui ressortent. Bon, ça va. On va lui faire des bons cuisseaux. Des bons cuisseaux. Modifier la pose. Oh, on peut modifier. Oh. On peut faire un truc du genre une Jojo pose. Je crois en tient un truc. Parfait, on sauvegarde. Ah, et après on peut choisir les poses. Magnifique. Genre, si je peux avoir plusieurs poses. Genre, attends, si je fais ça, par exemple, pour faire je fais sauvegarder. Genre, ça fait pose 1, pose 2. Ce jeu est magnifique. Ok, on est pas mal. On a un mec assez bien. Oui, j'avais complètement oublié de remettre la vidéo. Donc oui, on peut choisir son signe astrologique, on peut personnaliser son corps, ça vous l'avez vu, sa voix, c'est ce que je viens de faire. Alors les vêtements, est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas changer de vêtements plus tard? Je sais pas trop comment m'habiller. Un truc assez simple. Ouais, voilà, un truc de pecno. De pecno avec une armure.
Enfin, je pense que je vais pas y avoir le droit. Hein. D'accord, parce que c'est Pecno, Pecno armure, Pecno croissant. Allez, on va faire ça. Ok. Le temps, le nom, donc c'est là-bas. On peut sauvegarder du coup. Pardon. On a plusieurs choix, on peut sauvegarder des choix. Donc là, ce sera Xanter 1. Je pense qu'on est pas mal. J'ai tout fait. Hein. Maintenant, voyons voir ce que ça vaut. Oui. Va te faire enculer. Moi, ce sera Xanter très très variant. Putain, mais... Vas-y, attends. Ça, par contre, si tous les personnages sont pris... Non, les personnages sont pris. Album de beauté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. La personnalisation. Non, 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 non. Xanteri. Xanteri, c'est bien. Xanteri très variant. Russe. Xantera. Léa. Non, Xanteri, c'est bien. Avec les grecs, peut-être. Xanteri. Allez, hop, Xanteri. Waouh, quel homme. Eh ben, allons-y! On va faire quoi? Faible. Recommander? On va mettre recommander. Recommander, hein. Favori de navigation. Flèche. Flèche, c'est bien. Équité graphisme. Pour masteriser. Ça devrait le faire. On va mettre un petit peu d'énergie, on sait jamais. Voici Xanteri très variant. Le son vous a peut-être pété les oreilles, j'avais pas vu, mais j'avais monté le son à presque 100. Donc là, on a un temps de chargement avec un petit bonhomme qui court. Il y a un machin qui lui court après. On m'a piqué le pseudo de Xanter, je suis outré. Ça sera quoi de pouvoir mettre un nom de famille au personnage si on peut pas mettre le prénom qu'on veut. Bref. Passons. Are you awake? These are the memories of the forgotten world. Sorry, but you should have known better. C'est que ce truc. D'accord. Ok. Je suis un peu balancé là. Qu'est-ce qui se passe? On va pour voir. D'abord, c'est une quête. Début d'une aventure. Ah bon? Alors,
Ouh la vache! On part sur un mec assez rapide. Hein. Ouf. T pour aller. Ok. Ça lag un peu, on va changer les graphismes. Paramètres. Mettre paramètres élevés. Bon, ok. Je conversionne. Are you really an expert? You don't look like one at all. Well, I've investigated ruins across the continent. Bon, je m'en fous du scénario. I wonder what exciting je veux bien. Mais ça fera l'affaire. Alors, clic droit pour aller voir le PNJ de quête. On a essayé d'appuyer sur contrôle. On a clic droit sur la partie brillante de droite afin de continuer la quête principale. Quoi ? Quoi ? Ah, ça ? Non, je comprends pas. Clic droit pour aller voir le PNJ de quête. Non, ça c'est pour taper. Ok, on n'est pas bloqué au tuto, nous. I wonder what exciting discoveries we'll find inside the ancient stone chamber. Ah, c'est parce que je l'avais pas accepté. I can barely contain my excitement. Accepté. A traveler who does not remember anything. Well, this is awkward. Donc on parle aux gens. Moi je veux voir comment on se bat. C'est méchant ça? Wesh, mais t'es tarpin grand toi. Mais. On n'est pas sur du soldat là, on est sur du. Attends, c'est moi qui suis petit ou. Mec. Clic droit. Où ça? Là il y a un point d'interrogation. Là je dois parler monsieur le torse nu. Clic droit ici. Mais où ici? Ah là-bas. Going to entrust them with the task. I asked for the most skilled adventurer, not this weasel worth nothing close. On va taper des voleurs, c'est bon, j'ai compris. It's unbelievable. Who brought them here? Des renards gris. C'est pas des voleurs, c'est des renards. Je veux pas tuer des renards, moi, c'est super mignon un renard. Je peux le tuer, c'est un cheval. Bon, ok. Acquiert des connaissances sur les renards gris. Comment je fais ça? S plus E. Moi je suis en train de me faire poutrer. À l'aide! Ça c'est des amis ça. À l'aide. Ah je peux. J'ai tué. Ah faut que j'ai tué donc.
Ah ok. Ouais. J'ai gagné. Moi je drop. R. Ok. Attends. Q plus off plus D plus S. En fait, faut faire des trucs. Ouais, voilà, en fait, ça va être comme dans les autres combats. Je vais appuyer sur les boutons au pif. Vas-y, pourquoi tu te la pètes, toi, avec ton cheval là? Je fais quoi maintenant? Je sais pas. Ah, peut-être que je revois l'autre folle. Clic droit afin d'invoquer. Je comprends rien, putain. Clic droit où? C'est gentil de me dire de faire un clic droit, mais où? Peut-être dans l'inventaire? Ah non, maintenant appuie sur contrôle. Ok. Sur la partie droite, on invoquait. D'accord. D'accord. Tuer Renard Gris. Triste. Il y a des sorts là, genre si je fais ça. Ok, genre si je fais ça. Aise, PVM. Bon, pour l'instant, on est sur un début classique sur. Qui ferait. Rager n'importe quel défenseur animal. Tuer les renards, hein, c'est ce que je vous dis. Ok, et donc si je fais. Attends. Z. C'est sympa le coup des combos. Ça change en tout cas de. Des jeux où tu genre tu fais rien ou tu appuies juste sur quelques boutons. Alors, au moins c'est moi qui appuie sur les boutons pour taper, ça c'est cool. Voilà, je suis renard, c'est triste. Donc là j'appuie sur contrôle pour avoir le mode souris, clic droit. La touche T, ça fait suivre la flèche automatiquement. Ok. Ensuite, je clique droit sur le trou du cul. Ah non, j'appuie sur R. D'accord, donc là si j'appuie sur T, ça va aller directement là où il faut. Ok. Et du coup, j'ai une question, comment on fait pour faire les émotes? Ah, les émotes. Alors, les modes que j'ai créé là. Allez, tu peux choisir le slash que c'est. Genre, déçu. Prérequis. Oh non, il doit être niveau 53. C'est triste.
choqué et déçu. Pour l'instant, je peux pas vraiment juger parce que le système de combat à première vue a l'air ok. Bon, un système de quête, bon, bah, ça a l'air classique. Hein. J'arrive pas à... J'ai appuyé sur annuler. Gradually, experience will show you the way. Remember, my friend, I'm Ada. Ouais, enfin bref, apparemment cette petite bestiole permet de... Ah merde, comment ça s'appelle? De faire des crafts ou des conneries comme ça? Bon, bah je pense que en tout cas, c'est bien pour la découverte, vous avez une idée de la création de personnages, du système de combat. Bon, voyons voir un peu avant de quitter ce que ça propose. Donc, système de stats. Avec des titres, ok. J'ai rien obtenu évidemment. Défi. Pour des métiers, d'accord. C'est assez complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Récompense. Profession. Guerre. C'est l'air complet en vrai. Famille. Oh, évidemment. Des trucs que tu achètes avec des vrais sous, je parie. Je vais voir un peu l'inventaire. Comment ça se déroule. Apparence. Et donc, il y a l'objet équipé. Attends. Ok, donc ça se voit pas. Non, je comprends pas trop là. Ok, je comprends pas là. Mon inventaire, c'est ça. D'accord. Affiché caché sous-vêtements. Affiché caché masque. Ah non. Et donc là, est-ce que quand je tape, du coup j'ai caché le bouclier? Ouais non, il réapparaît. Ok. Allez, vu que j'ai pas de cap. Normalement j'ai un couvre-chef par contre. D'ailleurs si j'enlève le bouclier, je peux quand même taper. Ouais. Auto, ouais, ok. Ah, d'accord, donc tu auras, ok, je vois. On peut choisir d'abord l'arme et ensuite on peut lui mettre une apparence. D'accord, je vois. Bon, je pense que pour une présentation c'est sympa. Maintenant, si vous voulez le télécharger au moment où je sors la vidéo. Il est gratuit, c'est d'ailleurs pour ça que j'y joue. Donc, sur ce, ben, je vous laisse. Et qu'est-ce que c'est que ça, employer un domestique? Ah, peut-être que je ferai d'autres vidéos, mais peut-être pas. Non, là, c'était vraiment juste pour partager ma première impression sur le jeu avec des gens qui ne connaîtraient pas et qui auraient envie de télécharger. Au moins comme ça, si ça vous plaît pas, je vous évite un téléchargement. Sur ce, on se retrouvera pour un vrai épisode. A plus !